Salut à tous et à toutes, c'est Antinit. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. Désolé si vous m'entendez mal à cause du vent parce que la voiture est remplie de buée. Et on va où là? Vas-y, c'est tout le temps en mode les trucs, c'est un peu fou. On va au musée de l'automobile de l'OEAC. Parce que ça fait depuis moins 14, même pas 14 ans, 13 ans, je suis pas allé au musée de l'OEAC. Et comme j'ai le permis, comme on voulait sortir un peu avec ma copine, on a dit bah tiens, on va y aller. Du coup, voilà, donc ce qu'il y a. Désolé, je suis concentré un peu sur la route. Ce qui est au musée, alors déjà, j'espère qu'il est ouvert parce que j'ai regardé sur le site internet hier, c'est ouvert. Mais on sait jamais. Alors on a prévu nos masques. Mais ce qui est au musée de l'automobile, il y a tout. Il y a des petites voitures comme des R5, des voitures sport, des voitures du Mans. Il y a aussi les vieux métiers, il y a plein de trucs. Donc on vous filmera tout ça. Donc voilà, et puis à côté il y a un circuit, et si on peut, on essaiera de filmer le circuit, pas aller dessus parce que c'est payant. Tu crois que je vais m'amuser à faire un tour de circuit avec ma voiture? T'es fou, toi. Oui, donc, voilà. Fou. C'est bon, t'as fini? Ouais. Ah non, faut demander des likes, vas-y, parce que moi faut, je suis concentré. Ah, des likes, d'accord, bah déjà, regarde cette belle route. Non! Là, en vrai, je sais pas, 10 likes. T'as pas l'impression de me filmer de trop près? Non mais... 10 likes, ça te va? Vas-y, 10 likes. Bon, du coup, on est rendu à l'OEAC. Je vais pas faire l'affiche là-bas. Et là, on est sur parking. Bon, il y a tout type de voitures. Il y a BMW X3, Porsche Panamera. Et là, ce que vous voyez, c'est le circuit. Et les marches ne sont pas fermées et on va aller voir si on peut monter. Si on nous engueule, on nous engueule. Je vais pas t'aventurer tout seul, j'ai pas très envie de te faire engueuler moi. Bah, ils auraient mis un portail, logiquement. Bah, je sais pas. Bah, si. Et c'est libre par des pilotes, vous voyez. Et ça, c'est pas de la merde, hein. C'est championnat du monde des pilotes donc. Pose-toi, t'es gros. Attends, je viens juste. Vas-y, on te regarde. Vas-y, moi je prends. Ah, c'est que c'est bon. T'es sûr de toi là? On va juste rester là. Ouais, parce que vraiment. Bien drôle la boue. Oh punaise, c'est bizarre. Alors. Tu entends? Il y a une voiture. Oui, on ira tout à l'heure. Donc. On ira voir tout à l'heure. Là, j'explique parce que ça fait longtemps que je suis allé. Oui, je vais aller avec la C3, je vous dis les gars. Tais-toi. Du coup, attends. Bah... C'est un peu chinois. Là, c'est bon. Bah, en fait, là, nous sommes sur le vrai circuit. Le circuit de qu'on voit. Donc, ici, là, vous avez le départ. Voilà. Vous avez le premier virage, le deuxième, le troisième, le tour de joker. Et en fait, ils ont tout changé parce qu'avant, c'était juste de l'air. Et là, c'est le circuit de rallycross. C'est stylé. Il y a du monde, ils y vont. On va... Est-ce que tu veux tenter d'aller voir le circuit et après on va voir le musée? Non. On va voir le musée et le circuit après? Si tu veux, oui. Il y a vraiment des voitures qui sont en train de rouler. Oui, il y a vraiment des voitures. Mais moi, je vais aller voir. Et là... Pour ceux qui connaissent l'OEAC, la ligne de départ, ma voiture, elle est là-bas. Il y a une putain de barrière, sinon je serais allé. Eh, pas mal la miniature. Bon, maintenant j'en connais qui veut aller au circuit. Oui. On y va? Bon, on y va. T'es contente? Oui. Par contre, je sais pas où c'est. Bah, je sais pas. Là, c'est la bonne question. On va peut-être trouver un panneau par là. Hein? Putain, on va se faire à l'instinct. On va passer par là.
Au pire, on se retrouve une fois au circuit. Je reprends. Celle-là, en fait, je suis... j'ai pas les mots. Parce que, comment vous expliquer que celle-là, je l'ai vue gagner les 24 heures du Mans avec Sébastien Bourdais. Sinon, pas Geno. Et je sais comment il s'appelle, parce que je crois que c'était Pascal Lamy. Je crois. Alors, en même temps, il y a ma copine devant, donc je filme pas trop. Oh, la moto! Wow. En même temps, on enlève un stop. Insolite. Par contre, comment elle était basse celle-là. Sens de la visite, non, regarde. Prends une place plus tard. Oh mon dieu, c'est du goût. C'est un kart. C'est une pile. C'est un kart. Non, j'ai. La poste. On a ce bijou là. On est en grand prix de Sébastien. Je vais l'apprécier tout à l'heure. On ira tout à l'heure. On passe par là. Donc là, on est dans la Lamborghini. Lamborghini Diablo. Il faut savoir que Lamborghini, on ne mange pas. Ils ont été rachetés plusieurs fois. Diablo, attends. Je tombe pas. Lamborghini Mura S ou Mura 10 cylindres. Oh, le moteur, ça c'est le moteur de la Lamborghini. Lamborghini Countach. 375 chevaux. Lamborghini Jappa. On arrive près du bateau de Joran et tout. Après je passe un peu. Espada. Là c'est tout Lamborghini. On dit puis on excusez-moi. Après ça. Rouler là-bas.
Bientôt. C'est ce bateau-là, Didier Perroni, ex-pilote de F1. Voilà, regardez. Il est décédé dans le bateau, je crois. T'as vu? Regarde les moteurs. Les tulipes. Vas-y, je veux ça dans la voiture, la Massé 3. Hey. Cœur. Là, c'est le vieux métier. Là, t'as enlevé les pneus des roues. Il y a que ça a commencé par ça comme ça, les voitures, et maintenant, t'as 500 sécurité, que de l'électronique. Et derrière, on peut apercevoir... Ah ben non, vous voyez pas. Moi, je vois une sorte de dépanneuse. Ouais. Mais tu as son permis. Oh non. Ayrton Senna. Coupe Hommel. C'est pas ce musée, c'est plus Hommel. Bon, là, c'est moteur de bateau. Tu veux y aller, mon père? Hein? Moteur de bateau? Oui, j'y vais. La chapelle du moteur de bateau. Donc, le vlog, il va peut-être durer longtemps. Beaucoup de temps, excusez-moi, c'est normal, c'est un musée, donc voilà. On peut pas sortir. Il y a seulement un peu plus d'un siècle, animé par un moteur bicylindre en V, de chevaux, les premières automobiles semaient la terreur sur les chemins empierrés de nos campagnes à la vitesse folle de 20 km à l'heure. Aujourd'hui, elles foncent à 400 à l'heure, propulsées par leurs 800 chevaux poussés à l'extrême. C'est à cause de ça. 8, 10 et même 12. Ah, on va sortir. Oh. Tu sais quoi, je suis obligé de faire en deux parties, ça ne peut pas tout finir. Bah oui. Bah oui, il y aurait des cuts. Hein. Le coup de Jaguar. Ah. T'as vu? Par contre, on dirait une Bugatti. Donc là, on est dans les vieux métiers. Bah... Hey.
la voiture championne du monde, Renault, qui venait de tête à Ferrari en 2005 et 2006, la F2005 de Michael Schumacher, et je crois Felipe Massa. Et là, il y a un Trulli et j'ai plus le nom, Alonso. Il n'est pas loin du point F1, elle est contre ma chérie. Elle n'est même pas la F1, mais là, elle voit ce que tu fais. Par contre, ce qui est dommage, ils auraient pu mettre vraiment quelqu'un en vrai là, pour tout réparer. Et après, le mec, il sera enfermé là-dedans. Ouais. C'est dans une de ces voitures-là que Senna s'est tué. Dans une des Williams. Tu comprends? On est pas loin de la F1. On est pas loin des vrais F1. Je crois. Ouais. Encore avec du métier. Oh, c'est tellement beau. Bon, on arrive chez les Italiens, chez Ferrari. On va aller voir les maquettes. Loda. Tout ça, c'est Niki Loda. Quand je dis italien, c'est Ferrari. Abarth. Quand je dis Fiat, Abarth, c'est la marque sportive de Fiat, et c'est toujours la marque sportive de Fiat. Bien, on voit le circuit. J'avais juste le circuit auto. Par là, là. Quand je vous dis que le mec, c'est le département de la Bretagne automobile, hormis Le Mans, et là on arrive chez les Rouges. Ferrari Testarossa, la boiserie, je sais pas si c'est la boiserie, il l'a vendu lui. Bonjour. Est-ce que je suis monté que je marche sur le tapis rouge? Oui. Regardez ce qui est là-bas, Monsieur Enzo Ferrari. Et le bateau de Jean Ragnotti, tellement grand, il est obligé de faire un trou dans le mer. Toujours Enzo Ferrari là-bas. Bah c'est où? Là-bas. Monsieur Enzo Ferrari. Il est toujours sur une lunette Enzo. Oh, j'ai mal au cou. C'est tout petit, non? Attendez, on va l'interviewer. Et bonjour monsieur Hamilton, comment t'as vu? On dégage avec Hamilton. Ah non, faut sortir. Vas-y, sors. Moi je peux sortir comme un pied. Lui il peut sortir comme pas du tout. Montez.
dans une F1. Oui. Le petit, la fille. Attends. Pour... de l'aileron, elle était réglable. Regarde, il y a une vis. T'as vu comment c'est dur? Je pensais que c'était mieux. Oui. La Honda, la Rapost, champion du monde. C'est juste beau, voilà. Il n'y a pas de mots. Bon, on est à côté du circuit, tout auprès, tout auprès. On n'est même pas à 10 mètres. On ne peut pas entrer parce que c'est interdit au public, c'est chier. Et là, avec ma copine, parce qu'elle va voir les voitures rouler. Il y a la nouvelle Toyota Supra. Je sais pas c'est quoi là-bas, il y a une Alpina 110 S, une Porsche, une BMW M4. Bref. Bien. Et là, on va essayer de trouver un spot où on peut vite fait voir les véhicules parce qu'on peut pas rentrer. Mais je me demande si c'est payant, j'ai envie de faire un tour avec ma C3. Juste tenter comme ça, tu vois. Mais bon, madame... Mais attends, il y a un spot là-bas. Madame ne voudra pas. Parce que... elle sait que moi, la vitesse... c'est la vitesse qui me contrôle, c'est pas moi qui contrôle la vitesse. Mais ben, il y a un spot. On les voit, là. C'est des grosses bagnoles. T'es contente? T'inquiète, je te filme pas. Allez. On les voit là. Et encore, je pense qu'on peut encore aller là-bas. Tu viens? Regarde, j'ai un bon angle. Voilà team, voilà, c'est la fin du vlog. Juste, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce musée? Alors désolé parce que déjà, on n'a pas fait le trop parce que on est allé au circuit et après il fallait qu'on parte, on a vu l'heure et on n'a pas fait le trop, du coup voilà. Le musée, franchement, ça fait 7 ans, bah depuis là, j'ai mis 7 ans, je ne suis pas y retourné, donc j'ai 21 ans, ça fait à peu près 13-14 ans.
Voir qu'il y a des nouvelles voitures, je pense notamment à la Peugeot 908 que j'ai vu gagner au Mans, que j'ai pris une photo avec, que j'ai vu sous mes yeux, c'est une telle émotion et une chair de poule. Pareil pour la voiture de Sébastien Loeb, je l'ai vu gagner et l'avoir sous mes yeux parce que, attendez, je vais vous montrer. Pour ceux qui ne savent pas, je suis un très 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 grand fan de Monsieur Sébastien Loeb, donc voilà. Et voir sa voiture sous les yeux que j'ai en miniature quelque part par là, regardez, et ben ça fait quelque chose. Voyez, j'ai toutes ces voitures, j'ai sa Hyundai, sa Peugeot WRX, encore une Peugeot 306 Maxi, sa Peugeot Dakar, la Satsu Kit, la Citroën Xara Monte Carlo, la C4 Rally avec sa femme, la DS3, en gros j'ai toutes ces voitures, c'est celle-là qu'on a vue, et voilà. Mais se dire que toutes ces voitures-là mythiques que je rêve d'avoir, bah, que je rêvais de voir, je les ai vues, ou d'autres voitures du style, bon, désolé, vous m'avez vu dans le noir, d'autres voitures du style Lamborghini Countach et autres, des F1, c'est pas des F1 récentes, à part une F1 récente que j'ai vue, mais que j'ai pas pris en photo, donc voilà, je vais retourner dehors, c'est peut-être mieux dehors, voilà. Mais ça fait du bien. En plus, on a vu le circuit. Bon, on pouvait pas rentrer, mais au final, on a pu rentrer. J'ai vite fait des photos, mais en fait, on pouvait pas rentrer sur le circuit, mais aux infrastructures qui étaient autour. Du coup, bah, j'ai fait ça. Et un jour, ma copine n'a pas les tests, mais j'espère pouvoir faire un tour avec ma fifi qui est là. Donc voilà, mais quand tu vois que le HEC, en fait, si vous voulez, c'est un peu le Mans, mais en plus petit, parce qu'il y a un musée, il y a le circuit à côté, il y a le circuit karting et le circuit de rallycross. D'ailleurs, le parking où on était, où j'ai garé ma voiture, c'est les stands du WRX quand il y a le rallycross. Donc voilà, j'ai voulu faire une photo, mais malheureusement, j'ai oublié. Mettre la C3 en marche arrière devant la pancarte devant la ligne de départ d'arrivée du rallycross. Ça aurait fait une belle photo, mais j'ai complètement zappé. Bref, si t'as aimé ce vlog, n'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner. C'était Antonitz. Ciao, on se retrouve pour une prochaine vidéo ou un prochain live sur Twitch.